Alors c'est normal si c'est un peu noirci, ouais, on l'a mariné au soja. Hein. Et il faut savoir qu'une viande, quand elle est cuite, elle se détache de la poêle. Quand elle est marquée correctement, elle se détache de la poêle. Si elle attache, c'est que c'est pas encore suffisamment marqué. On la marque bien sur toutes les faces, c'est ce qui amène le goût. Et c'est la réaction de Maillard. Ça, on s'est appelé aussi. D'ailleurs, Wagyu, c'est une viande d'origine japonaise. Hein. C'est une race japonaise. Et Wagyu, en japonais, ça veut dire bœuf du Japon, tout simplement. De maturation. Alors là, c'est, la maturation n'est pas énorme, mais c'est la marinade, justement, qui a, sur celui-ci, qui l'a coloré. On a une marinade qui... Et on arrive pendant 3-4 heures. Voilà. Donc on le sert avec une purée de patates douces, tout simplement, et des petites graisses de coriandre. Graisses de coriandre d'ailleurs, juste pour l'anecdote, qui sont produites à Paris. Sashimi dorade, avec un laquage au yuzu. Citron japonais maintenant qui est un peu plus, qui est assez connu. Et qui est donc servi, comme on va voir sur l'assiette là-bas, avec une crème de sésame au wasabi, très légèrement aromatisée au wasabi, des pickles de daikon, qui sont juste... Ouais, le radis japonais, le long radis japonais, qui sont juste un tout petit peu marinés avec du curcuma. Les cresses que vous voyez dessus, ce sont des, ce qu'on appelle les lemon cresses, des petites feuilles qui ont un goût citron. Et par-dessus, c'est une tuile de riz, ou c'est une chips de riz. Qu'on fait nous-mêmes, hein, bien sûr, tout est fait maison.